Matata Ponyo, yeye pia ni mwanaseneti kwa wakati huu. Yeye aliweza kusambishwa wakati wa masambo pamoja na mwenzio mkurugenzi wa shirika ya shirika moja mpatikana ya ufalme ya Afrika Kusini, wakati gavana wa Benki Kuu ya Kongo ama BCC, yeye ni bwana Deogracias Mutombo, ndio wakati yeye aliweza kuwa gavana huko Benki Kuu ya Kongo. Bwana Augustin Matata Ponyo pamoja na bwana Gobler walistakiwa ya kwamba waliweza kupokonya franga zaidi milioni 115 ya dola ya Kimarekani. Ni franga yenye waliweza kununua kupitia facture yenye waliweza kutayarishwa ama so facturation kwa kuweza kutumika kazi pamoja na shirika yenye itaweza iliweza kupatikana kwa kuweza kutumika kazi hiyo. Ndio maana waliweza kutayarisha vibarua vyao kwa kuweza kuhakikisha tu kufatana na kazi waliweza kutumika. Bwana Augustin Matata Ponyo na pamoja na mtu mmoja waliweza kuangalia namna gani wataweza kufasiria kufatana tu na milioni 189 ya dola ya Kimarekani yenye ipashwa kujenga soko ya kimataifa mjini Kinshasa. Ndio nukta mbalimbali yenye bwana Augustin Matata Ponyo, yeye ni mwanaseneti, ataweza tu kufasiria kufatana tu na kazi waliweza kutumika kupitia franga yenye waliweza kutayarishwa ili kazi iweze kufanika, kujulisha kwamba aliweza pia kustakiwa kufatana pia na kazi walipashwa kutumika huko shamba kubwa ya Bukangalonzo. Ni nukta imepatikana katika vibarua vyenye waliweza kustaki bwana Augustin Matata Ponyo, kujulisha ya kwamba bwana Augustin Matata Ponyo yeye ni mwenye aliweza kuacha pia vibarua vyake vya ugombeaji kama vile aweze kukubania kiti cha uraisi. Tutemjusha pia kwamba ni huko korti kuu ya makama ama cour constitutionnel ndio itaweza pia kuleta neno ya mwisho. Edi Chala, unaweza pia Charlotte Kabanga, unaweza pia kufasiria wewe tufata katika lugha la Chiluba. Tosikila Sylvie Meta, tosikila Edi Chala. Mtu basani bomo abiru kubindi jumbe ni mwana bateli jiba kunanga banje sekeli lanpinjeu tuji mtu baje tukulu tulipe bwana tuba tuaji jukulu ani cour constitutionnel mwaba ujibu bikala balumbulusha mokalenga Matata Ponyo mapo e uvu mwikala kavula mbedi wabukalenga mwaji tunga mu bukalenga bushala wabonaka ni gena nka indenasha badiba balumbulusha na mukalenga Christo Grobler waji tunga aja Afrika wakwenshi kopa mukabuji ni mukalenga Deogracias Mutombo mwana nyembwe uvu mwikala mu lombuji wachibu chidi champetu ya jitunga ya kongwa mkata BCC wachini ya mukalenga Matata Ponyo ujikutubaji watu tuakulapa mbwabwalu mpetu yivwa jitunga ya kongwa mkata jimu pesha mbwaku kwa tana imu jimu wakwasa bujimi bune na ni kompanyi wabia huvia ibiji mwakalebi shintulile bintu bijibaji mafama jimu kubu kangalonzo ndipa manye bonso se mwanda wabu kangalonzo yivu mtu antanga chibu munda mwajitunga jitu mambani bajibaji mama jimi bwatuikala tuweta matala tuweta biyakuja kako yinzala nasha kubukalinga bushala bwabona kakaji bwamuvu myande yonsu kaya imienze kaha mwishendo jibikala bikenga jibona shiko bukangalonzo kikai mbafu nda mkalinga Matata Ponyo ujukutu baji mujumu ntuka tuwenza mujumu kende to utuni baji uwenza nabu ujifopa mwene bavu imuwenza nabu mujumu eu musangu mwisatu ujui mana kumpala kwa tubaji hide tukujalilu eji bavato ajamunda matokuwa biji angondo wachitemie ununku favubika la badu mbulula kuyabu kabijimuja matukwa nai angondo wachitema ni chini chukondo wachi ba jimamuwa kuilanyi ba hafukabenda patangi njibu buwani kumona malumanena ajibu bafunda nao mkalenga Matata Ponyo kimba mufunda kujimuntu muku wabunashi mwena chijirito mba mufunda bilo ndeshida lunketa luenza kuji apapa tutubikile ni mba kontono di ba mnyanda ya mpetu ya mbula mataji bene ijef bafubamu na bimpa bwani mudimwe kafumweza kabiaka na nasha kikai bafubamu funda kibaina bantu abuku na mbwani bantu na mpisha matu kumakisa yeo ni mwana banzuji babuena mpinjeo mbwa kutuwa nito mijimu ya abo mbwala mbwamu na mbifudu kwa chimbo wa mbwamu kuhuza ilesha ni nyamashi nyamashi kwa chimbo wa lu babini chakwa mbani bule ni nabule ni abe jimashaba na watu mbwala kongu hanshi nasha petu idu ya tulani nyabani bajitu nga ikuata mudomu mungu mpinje babuena
baji nyomo apa musom bela pun ibu mana mulu baju waktu baji kalau ni dengan kami itu ni ya mungkin mahu apa ni bantu pon sebantu sebons langsung ibu mana kan dekaji bangga kaji ni mungkin ni mungkin ke mata teponnya kalau baju ni buat mata kita sebang dah sekian baju bukan dia aku apa mana mahu fokus dombu lebang silum muncul silum mungkin cerita kata silum muncul. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière pénale, déclare ouverte son audience de ce jour. Monsieur le greffier, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait du hall. Merci, monsieur le président, pour la parole. Extrait du hall. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière répressive, appelle à son audience publique de ce lundi 25 septembre 2023 à 13h précise l'affaire suivante. Affaire en continuation. Une seule cause, le RP0002, ministère public contre M. Matata Mpogno Okistin, Globler Christo Stéphanie et Mutombo Nyembo Deokrasi. Fait à Kinshasa le 21 septembre 2023, signé le greffier principal Théophile Sassanyanga, directeur. Je crois que je... Okay. Merci, monsieur le greffier. La Cour appelle la cause sous RP002, affaire ministère public contre les prévenus Matata Pugno Mapon, Augustin. Mutombo Mwana Nyembo, Deo Gracias, Christo Stephanus. Oui, maître. La Cour vous accorde la parole. Vous comparaissez pour assister quel prévenu? Maître Nyabirou Mwene Songa, avocat pour la Cour de cassation et le Conseil d'État, pour la défense de M. Matata Pugno, conjointement. Maître Safari Mouloumé, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete, conjointement. Maître Onyemba Djongandek Laurent, avocat au même barreau. Monsieur le Président, nous comparaissons conservateurement parce que nous sommes détenteurs d'un certificat médical. Nous sommes encore dans la comparution des parties, maître. Merci, monsieur le président. Le prévenu Christophe de Robler comparé en personne assisté de ses conseils, maître Corneille Madima Bonda, avocat. Qu'il avance de ce côté-ci. Que le prévenu avance de ce côté. Vous pouvez rester de l'autre côté, il n'y a pas de problème. Les prévenus doivent être en face de la cour. Merci, monsieur le président. Son interprète est là. Ok. Merci, monsieur le président. Je disais maître Corneille Madimba, avocat au barreau de la Cour d'appel de Kassai Samba. Conjointement avec maître Augustin Manunga, avocat au barreau de Kouy. Conjointement avec maître Mokonseka Katenga, le nom je suis. Avocat au barreau de la Cour d'appel du Congo central. Conjointement avec
Maître Jean-Paul Mbongo, avocat au barreau Kassai Central, conjointement avec Maître Evelyne Soumi, avocat au barreau de Kinshasa Makété. Monsieur le gracieux, nous devons comparer la personne assistée de ses conseils, Maître Laurent Okitonego et Chobunda, avocat au barreau de Kinshasa. Conjointement avec Maître Marcel Kalela, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Patrick Lelounawej, avocat près des cours d'appel de Kinshasa Gombe et du Haut-Katanga. Conjointement avec Maître Oscar Lutala, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Conjointement avec Talos Emanongue, je suis avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Conjointement avec Papi Nchanga, je suis avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Les avocats se sont présentés. Sur l'état de la procédure, la Cour relève que la présente cause a été remise à la date de ce jour sur remise contradictoire à l'égard de tous les prévenus. Le prévenu Matata Ponyo n'est pas là. Il n'y a que le prévenu Mutombo, Mwananyembo et Globler. Merci, Monsieur le Président. Nous l'avons tantôt souligné. Monsieur Matata Ponyo Mapon est malade et que ce n'est pas devant cette cour que nous allons rappeler le fait que le prévenu Matata a toujours collaboré avec la justice. Il a toujours voulu se défendre. Mais que pour se défendre, il faut avoir toutes les aptitudes intellectuelles, physiques, pour se défendre. Nous sommes porteurs ici d'un certificat médical signé par trois médecins pour attester l'état de santé alarmant de M. Matata Ponyo. Et donc, conformément à la Constitution, parce que vous êtes la Cour constitutionnelle, l'article 47 de notre Constitution affirme ce qui suit. Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti. J'ai donc cette demande de solliciter conformément à l'avis de ces trois médecins d'État d'un repos de 45 jours lui imposé ne relève pas de sa bonne foi de coopérer avec la justice congolaise pour faire prévaloir son innocence. Nous remettons ainsi à l'attention de la Haute Cour les certificats médicaux. Nous avons déjà un exemplaire dans le dossier. Par contre, un monsieur peut venir pour nous aider. Et nous pensons ainsi, en accordant 45 jours des repos médicaux pour que M. Matata vienne en personne se défendre, vous aurez garanti non seulement l'écriture, mais aussi la lettre de l'article 47 de la loi
fondamentale, mais aussi vous aurez planté le décor pour une défense d'équilibre dans la consécration de ce droit. Nous allons nous faire compléter peut-être légèrement. Non ? Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci beaucoup, maître. La Cour passe la parole à Monsieur le Procureur général pour son avis quant à cette requête. Merci, Monsieur le Président, Madame et Monsieur de la Cour. Parce que je dois me prononcer sur le certificat médical en vertu duquel on est en train de demander une remise à 45 jours. Je voudrais, Monsieur le Président, Madame et Monsieur de la Cour, sans être historien, de vous retracer les différentes péripéties qu'a connues cette cause. Nous sommes partis de plusieurs préalables, incompétence, irrécevabilité, et pour vider ces préalables, votre cour, ou pour être plus général, la justice congolaise a dû mettre une année afin que la cause vous revienne pour que vous puissiez l'examiner au fond. Ce n'est donc pas exact d'affirmer que le prévenu Matata a toujours été collaborant avec la justice. Nenni. À cet effet, avec tout le respect que je dois à votre cour, Monsieur le Président, Madame et Monsieur de la Cour, vous rappellerez aussi qu'à la première audience, votre haute cour, s'était déclarée non saisie parce que la signification avait été irrégulière. Nous nous inclinons à cette décision-là, mais nous signalons que c'est toujours dans le cadre de cette volonté de ne pas comparaître que les instructions sont données pour que les pièces de procédure ne soient pas régulièrement signifiées. Et ça, la collaboration avec la justice, et ça, le respect dû à votre haute cour. Pour la seconde fois, on a remis parce que la défense n'avait pas accès aux pièces du dossier au motif que le greffier aurait décliné de céder l'accès à ces dossiers, aux pièces du dossier. Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour, votre porte n'a jamais été fermée, encore moins celle de Madame ou des messieurs de la Cour, pour que, à ce moment-là, on vous ait fait état de cette difficulté-là. On l'a laissé passer, parce qu'effectivement, il fallait rentrer dans cette logique où il ne faut pas comparaître. Et aujourd'hui, il y a comme une pluie anticipée, parce que nous sommes la saison 16, c'est la saison des pluies s'annonce, il y a comme une pluie qui tombe pour nous dire l'état préoccupant du prévenu Matata. Pour ma part, si il avait existé un corps de médecins près votre cour, j'aurais sollicité qu'effectivement une contre-expertise soit faite. Malheureusement, ce corps-là n'existe pas. Lorsqu'on vous fait, on vous renvoie à l'article 47 qui évoque les droits à la santé. Pertinent. Mais moi, je renvoie aussi à l'article 19, alinéa 2.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par les juges compétents. Cette cause n'a pas que comme prévenu les prévenus Matata, il y a les prévenus Mutombo, Mwana, Nyembo, il y a les prévenus Christo, Globler, Stéphanus. Personne, peut-être Dieu, peut confirmer ici qu'ils sont faits ou créés en fer pour qu'ils ne soient jamais caractérisés par une indisponibilité médicale. Ils sont toujours là. Mais c'est le même prévenu au point que Monsieur le Président, Madame de la Cour, et Monsieur de la Cour, ce certificat pour nous est un dilatoire que vous rejetterez afin de commencer l'instruction au fond de la cause. J'ai dit, je vous remercie. Oui, maître. Juste une brève réplique. Merci beaucoup, monsieur le Président. Je ne peux m'empêcher de la sérénité que vous dégagez dans l'équilibre, bien sûr, de ce débat. Il est curieux qu'un ministère public soit-il à la Cour constitutionnelle, s'avance sur un terrain aussi glissant de méconnaître le droit garanti. Nous avons l'avantage d'observer que la Haute Cour a des éminences qui, essentiellement, exercent dans le domaine du droit. Mais la loi fondamentale ne peut se lire de façon horizontale en prenant des portions qui vous avance, alors qu'en réalité, l'intelligence dans la compréhension d'une disposition constitutionnelle consiste dans sa lecture globale pour en dégager le contenu. Heureusement que vous êtes, vous, la bouche de la Constitution. Donc le ministère public est sur un terrain très hasardeux. L'article 19, pour rencontrer le moyen, nul ne peut être soustrait, ni distrait encore, contre son gré du juge que la loi lui assigne. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent. Le droit, et c'est ça la réponse, parce que l'intelligence du constituant loge essentiellement dans chaque disposition. La réponse à la préoccupation du ministère public est légèrement à côté. Il a fait le choix, et c'est avec beaucoup d'intelligence, et c'est limité au deuxième alinéa. Le droit de la défense est organisé. La Constitution se limite par là, il dit, est garanti. Je suis curieux qu'au même moment qu'il se rappelle que la Cour doit avoir un corps de médecin. C'est dangereux. J'ai oublié un ouvrage. Là, nous sommes en train de nous disperser inutilement. La raison de votre intervention, c'est cette demande que vous formulez à la Cour pour une remise pour raison de maladie. Je termine, monsieur le Président. Les autres aspects-là, vous allez réserver. Il y aura un temps où vous allez expliquer toutes les doctrines pour réagir à ce qu'elle... Oui, monsieur le Président, parce qu'il évoque la question d'une année. C'est très important. Maître, vous constaterez que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas comme adversaire la Cour. Absolument. Là, c'est comme si vous répondiez à la Cour. La Cour a fait observer que ce n'est pas le moment de faire état de toutes ces considérations-là. Vous avez présenté votre requête et c'est maintenant que les autres membres de la Cour viennent d'être informés. Nous allons suspendre pour revenir dans quelques minutes pour donner la position de la Cour. Dans ces suspensions. Voilà donc, mesdames et messieurs, le procès va certainement se poursuivre, mais dans un instant, on va observer cette suspension. La Cour se retire justement pour statuer sur cette question. C'est cette demande de renvoi ou ce certificat médical qui atteste que le prévenu Augustin Matata Ponyo doit bénéficier de 45 jours de repos. Ce sont trois médecins qui l'ont attesté par ce certificat.
L'avis du ministère public a été sollicité par la Cour et pour le ministère public, il estime que le procès doit être connu dans le fond parce qu'à présent, il est plus que dilatoire d'accorder 45 jours au prévenu Augustin M. Matata Ponyo comme il le sollicite parce que depuis une année déjà, on est perdu dans les péripéties autour de ce procès. Qui est compétent, qui ne l'est pas? Est-ce qu'ils doivent être jugés par la Cour constitutionnelle en tout ce groupe parce qu'il y a Matata Ponyo dedans, ancien premier ministre? Plusieurs péripéties et le ministère public estime qu'il est le moment de commencer l'examen dans le fond de cette affaire. Mais la Cour constitutionnelle qui a été saisie par ce certificat se retire un moment pour examiner. Ils sont à 9 justement qui siègent comme juge pénal, je vous rappelle. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui siège, c'est en tout cas le juge pénal pour le compte de cette affaire pénale fixée à cette cour pour tirer au clair les accusations du ministère public contre les trois prévenus, Augustin Matata Ponyo, Grobler Christo et Mutombo Mwananyembo. C'est un procès pénal, en tout cas, vous savez, comme ceux qui sont bien informés en cette matière, que le procès pénal pour les personnalités publiques, comme Augustin Matata Ponyo, le procès se déroule à deux niveaux. Hein. C'est un procès qui se déroule dans l'opinion, avant de se dérouler ici au prétoire. Au prétoire, on a jugé cette affaire dans le fond, avec les éléments des preuves qui seront avancés par les uns et les autres. Mais dans l'opinion, c'est le crédit de la personnalité poursuivie qui est entamé. Il faudrait donc qu'il prouve à l'opinion qu'il est disposé à apporter ses moyens de preuve et se sortir blanc, se sortir innocent de cette affaire pour laquelle il est poursuivi par le ministère public. Dans l'argumentaire du ministère public, il est tout à fait logique qu'il se plaigne du dilatoire, de cet énième dilatoire, parce qu'il a rappelé que 21 jours auparavant, il avait été avancé le fait que le dossier était volumineux, 6000 pièces du dossier, pour lesquelles il faut un temps relativement long pour connaître de la consistance, de la substance du dossier, pour pouvoir aligner sa stratégie de défense comme il se doit. Aujourd'hui, c'est une maladie qui indispose Augustin Matata Ponyo et qui le contraint d'avoir 45 jours de repos, en tout cas. Le ministère public estime que c'est un dilatoire, c'est que les avocats du prévenu Matata réfutent et la cour s'est retirée un moment certainement pour statuer et venir dire ce qu'elle pense sur ce certificat, Charlotte Kabanga. Et yo, Edith Chala, bah oui, tout le monde a fait mon coup de l'ambiance, chilombo chocolat. Walwa chilombo badiba chumana kujibali balonda hambelu badibon vani mkalingi matata mponyo mba muku ata chilombo chidika badimuabe kujibanzuji ni baku ijiva mkalingi matata ponyo bama na kubwela banzuji bajilesha baku ijiva mkalingi matata ponyo ni babajibababa fundanabu bajileshi ni pashishe mwaku idu umo wedi munukulu uleje buwani mwapa utu jehunuku mkalingi matata ponyo kene bimpanashu juu sama vikoli adibuke ngela nemba muhesha jigishe na matomo 185 bwakusheshe kulo kwitaba kutubaji banzuji ba bakwidiba mbula matadi badiba bigile bwa ni ministere publika wima hinda kulu wa lesbwani e ungenze bi okene mekale mpanasha bwali bwa matoko kumpala kwa kanaka bakwidiba mkalenga matataponyo bani bajibaba funda na bavamba bwani bunyi bwa malu bajibaba funda bwa bunyi mbuhita bunyi bivubika ngelo kuba pesha matuku bavalomba ngondo muzimo bwana bapesha ngondo muzima wabobo kulonde shamalu ngonso ali mumikanda ne kumanya mushindo kuvoka kuile bantu babo bade bafunda banzo je kuba pesha mbingo isatu bwana batangile myande kajilelu wanda yewu bajibola ka vijini jibeje jini nganga buka moji funda wakuhesha mukalenga matata ponyo metuku 185 ajikisha kipaji umo wakubenetu bajimuleje penda patoka bwana ewe mushindo ewe ngenze lo mubi wakanya wo ukaji ba kuiji ba mukalenga okisema matata poini bale baba funda nabo benza bwani bale fesha malu ji jilumbulishi da mukalenga matata poini binenda ba kaja nje kwenze kanasha kikai bene tubaji ba mono bwani bidi kaire ne banje ba yakuluseka basomba
belangana menji batatu londo nango bala kwatra tshimbiji kompala kwa mina kwa bantu bose ro sangile mwabeu moto afu mukujino vuje bwane mwakulu wa france uti kwambane mwando ndi kupenzeu un comportement dilatoire wa kubenga ni kama zwe kablumbulishi mukulenga matata poni na shani bali vuba funda na avokaji bivubika le bimpa mwambi mulombo ji watu baji mukalenga je doneka muleta nzozi munene watu baji tukulu to ajiji kulu to baji mwabo to basanga ni bwe walej bwane bivubika ngi bwane balekela batu ajiji kwenza muli mwa kulumbulisha mukalenga matata poni bwane mali wonso ende bimpa mushinde bivika la babilongo lola ai e chikichi shimbiji fata to akula pa banzuji manje kuye kuluseka bwane baye kutotulondo chikolokolo kuti wetu Sylvie Meta Lumbala. Aksanti dada Charlotte Kabanga. Wafasi wapenzi, tutemjulisha ya kwamba kwa wakati huu Cour Constitutionnelle mpatikana katika mapumziko ya dakika doko kufatana na namna wataweza pia kuzungumzia kwa kuona jinsi mwakili wa Bwana Augustin Matata Ponyo Mapon aliweza kufasiria kwamba Matata Ponyo mpatikana katika magonjwa na kuweza kupeleka kibarua kimehakikisha kwamba Bwana Matata Ponyo amegonjwa. Kibarua hicho wa dokta watatu waliweza kusaini ya kwamba Bwana Matata Ponyo amepatikana katika magonjwa na kuweza kuomba masiku 45 yenye Bwana Matata Ponyo ataweza kupumuzika. Na upande wa wamzi waliweza pia mmoja aliweza kufasiria kwamba kama lipokuwa na wadokta wengine waliweza pia kufanya uchunguzi kwa kuweza kuelewa kama Bwana Matata Ponyo amegonjwa. Lakini kwa wakati huu wameendelea kuweza kuzungumzia, wamepumzika na kuweza kuzungumzia ili ya kuweza kuhudhuria katika chumba hicho kufuatana tu na masambo hiyo. Tutamjulisha kwamba bwana mkurugenzi wa nchi ya afya ya kusini wa shirika moja yeye aliweza kutumika pamoja na bwana Augustin Matata Ponyo, yeye ni Gobler Christo, pamoja na gavana wa Bank Kuu ya Congo BCC bwana Deogracias Mutombo, wao pia wamepatikana huku huko kwa kuweza kuhudhuria kumasambo hiyo kufuatana na gisi wamepatikana katika namna ya kuweza kufasiri kufuatana tu na vibarua venye waliweza kutumikia. Ni wakati gavana wa Benki Kuu ya Congo bwana Deogracias Mutombo alikuwa gavana, na bwana Augustin Matata Ponyo yeye aliweza kutumika pia pamoja na mkurugenzi moja wa shirika moja ni mzaliwa wa Afrika Kusini, aliweza kutumika pamoja na bwana Augustin Matata Ponyo, ndio kwa wakati huu wamepatikana kwa kuweza kutoa masemi yao ama kusambishwa kufuatana tu na jinsi waliweza aliweza kutumikia na franga. Upande mwingine tunachosema kwamba gavana wa Benki Kuu ya Congo yeye ni wakati ye alikuwa gavana wa Benki Kuu ya Congo, ndio yeye pia ameweza kupatikana katika chumba hicho kwa kuweza kufasia kufuatana tu na vibarua mbalimbali. Kwa wakati huu tutemchua kwamba Cour Constitutionnelle imepatikana katika mazungumzo yao, kisha wataweza kurudi katika chumba hicho kwa kuweza pia kuendelea na masambo. Ndio imepatikana katika mazungumzo na kuweza kuangalia namna gani waliweza kusema ya kwamba kila wakati waliweza kuwa katika chumba hicho. Upande mwingine bwana Augustin Matata Ponyo yeye aliweza kupatikana katika magonjwa na kuweza kuangalia namna gani kwa wakati huu ye ameomba wa dokta walisema kwamba aweze kupumzika kwa siku 45, ndio wataweza kuangalia namna gani ya kuweza kuzungumzia na kuweza kuangalia namna gani masambo hiyo itaweza kuendelea pamoja na wenye kuwa katika chumba hicho. Ni kusema ya kwamba bwana Gobler Christo pamoja na Governor Bank Kuu ya Congo BCC wataweza pia kuzuria na kuweza kutoa masemi ya kufuatana namna waliweza kupatikana katika kazi hiyo waliweza kutumika. Ni kusema ya kwamba kuhakikisha vibarua mbalimbali vinye kupatika katika muda wa kazi hiyo waliweza kufanika. Bwana Edi Chala, unaweza kufasiria kwa hiyo tufata katika lugha la kimombo ama lugha la kifaransa. Merci Sylvie Meta. Nous sommes à la Cour constitutionnelle pour ceux qui nous prennent en cours.
pour la retransmission en direct de ce procès. Ministère public contre monsieur Augustin Matata Ponyo, disons les prévenus Augustin Matata Ponyo, Grobler Christo et Mutombo Mwananyembo. Les deux dernières parties citées sont présentes, sauf Augustin Matata Ponyo, dont les avocats ont présenté un certificat signé par trois médecins sollicitant 45 jours de repos, et le ministère public ne l'entend pas de cette oreille, pense que c'est du dilatoire, et ça doit bien se comprendre. Le ministère public est la partie principale à ce procès, c'est lui qui poursuit les trois prévenus, et sa réaction est tout à fait normal, et la cour s'est retirée certainement pour prendre une décision qui va éclairer les uns et les autres et qui décidera sur la suite réservée à l'audience de ce jour. En tout cas, la radio-télévision nationale congolaise veille au grain pour que le pays tout entier, mais tous les Congolais où qu'ils se trouvent, suivent dans le moindre détail le procès ici, qui intéresse en tout cas plus d'un Congolais. Le procès intéresse les particuliers, ceux qui sont les gens de justice, mais aussi et surtout les professionnels de ce secteur, parmi lesquels Patrick Kamanda, qui est donc juge parmi tant d'autres en République démocratique du Congo. Je crois que, comme tous les autres juges, ils suivent ce procès au plus haut niveau des instances judiciaires pour s'inspirer et pour accroître l'expérience. Mais en tout cas, je crois que la Cour constitutionnelle qui siège en cette matière pénale prend avec beaucoup de minutie le dossier, et parce que ce qu'elle fait ici vaut leçon pour les juges inférieurs. Voilà donc, mesdames et messieurs, pour l'instant, nous allons observer une petite pause en attendant que la composition se décide sur ce certificat qui lui a été présenté accordant ou sollicitant 45 jours de repos pour Augustin Matata Ponyo. La décision est donc attendue incessamment.